Je connais très bien le meilleur éditeur de manga au Japon, tu sais. Je peux lui parler de ton projet de BD si tu veux. Elle ment comme elle respire. Tu veux pas oublier Lila 5 minutes, Marinette? J'ai corrigé vos copies du brevet blanc. Certains se sont bien débrouillés, d'autres en revanche un peu moins. Mais avant de les rendre, Marinette, je peux voir ton sac s'il te plaît? Il faut que je vérifie quelque chose. Tout à l'heure, quelqu'un a placé un mot anonyme dans mon casier pour me signaler que tu m'avais volé les réponses de l'examen. Et apparemment, cette personne était bien informée. Hein? Mais non, c'est impossible! Quelqu'un a mis ses papiers dans mon sac! Pourtant, tu as fait un sans-faute à toutes les questions. Non, c'est vrai! Ah, mais attendez, c'est uniquement parce que j'ai révisé! Mademoiselle, Marinette a toujours de bonnes notes avec vous! Ça ne te ressemble pas du tout, Marinette! Toi qui te comportes si bien d'habitude! Mais bien sûr! C'est toi qui as mis ces feuilles dans mon cartable et c'est toi qui as écrit le mot anonyme! J'étais en train de prendre ta défense et toi, tu m'accuses! Enfin, Marinette, on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Je suis sûre que c'est elle! C'est Lila qui a volé les réponses! Je suis désolée, c'est impossible. Lila a eu la plus mauvaise note de la classe. Alors? Alors elle a fait exprès de rater l'examen! Pardon, mademoiselle, mais on sait tous ici que Marinette n'est pas du genre à tricher. C'est vrai! Elle ferait jamais ça! Il a raison! Marinette, Lila, allez chez le proviseur jusqu'à ce que l'on mette cette histoire au clair. Je t'avais promis de faire de ta vie un enfer, tu te souviens? Chose promise, chose due, je ne t'avais pas menti. Si tu penses que je vais tomber dans ton piège, tu te trompes. Trop tard, tu es déjà prisonnière. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas voir. Prête? Ah, 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 ma jambe! Mais que se passe-t-il ici? Oh, Marinette m'a poussée dans les escaliers! Dans mon bureau! Je ne sais pas pourquoi Marinette ne m'aime pas. Pourtant, je voudrais être son amie, mais elle me traite sans arrêt de menteuse. Elle essaye de monter tout le monde contre moi. Et aujourd'hui, elle me pousse dans les escaliers. Ah ! Ce ne sont que des mensonges ! Continuez, Lila. Elle m'a même pris le collier que j'ai reçu de ma grand-mère, un pendentif de renard. Oui, volé, vous voulez dire. Ah ! Mais c'est faux, j'ai jamais volé quoi que ce soit, j'ai rien fait du tout ! Ma fille n'est pas une voleuse. Pourquoi devrait-on croire ces accusations ? Il n'y a absolument aucune preuve. Oh. En fait, j'ai une preuve. Votre casier, ouvrez-le. Oh, le bijou de mamie. C'est elle qui a tout manigancé, je vous le promets, c'est pas moi, j'ai rien fait. Adrien, toi tu sais que Lila est une menteuse. Monsieur Damoclès, je ne crois pas que... Marinette Dupalchak, vous êtes renvoyée du collège.